Allô, moi je suis Rémi Donnel, je suis gérant avec l'association du bassin versant Chédia. On va faire un petit vidéo éducatif aujourd'hui pour montrer c'est quoi la vie qui vit ici à Parley Beach, dans la baie de Chédia. Cette vidéo ici est dans le cadre de la pavillon bleu, qui est une certification écologique pour la plage Parley. Ça fait que j'ai mes employés qui vont mettre un filet pour aller voir qu'est-ce que les poissons qu'on peut retrouver à Parley Beach. C'est pas de la baie. Voici l'épinoche. On a quatre espèces dans la baie de Chédiac. Ils se nourrissent principalement des crustacés, puis leur longueur varie de 2 à 4 pouces. Voici le choquemort. C'est une espèce de fondule retrouvée dans les eaux salées, comme telles que les estuaires et les baies peu profondes. C'est une espèce qui est très tolérante à des conditions extrêmes, telles que les températures chaudes, les niveaux de salinité très élevés et les niveaux d'oxygène dissous très bas. C'est une espèce tellement tolérante qu'elle fut choisie comme le premier poisson pour être envoyé en espace sur la station spatiale Skylab en 1973. L'espèce la plus commune qu'on va retrouver ici à la plage, c'est les crevettes. Il y a deux espèces de crevettes, les crevettes de sable et les crevettes d'herbe. Ils vivent dans l'herbe de sable et servent de nourriture à les différents poissons et oiseaux qui visitent. Ce sont eux qui vont venir vous chatouiller les orteils quand vous allez vous baigner ici à la plage Parley.